Cela ressemble à un ultimatum. Après s'être plaint à Barack Obama de l'absence de progrès dans le processus de paix avec Israël, Mahmoud Abbas s'apprête à adresser une lettre accusatrice à l'encontre de Benjamin Netanyahou. Le président palestinien accuse le chef du gouvernement israélien d'avoir confisqué toutes les prérogatives de l'autorité palestinienne et de l'empêcher d'exercer son pouvoir. Alors que se profilent les élections dans les territoires sous son contrôle, Mahmoud Abbas semble avoir perdu patience. Si Israël ne reprend pas les négociations avec nous, je me tournerai vers les instances internationales, a déclaré le chef de l'autorité palestinienne. En attendant, pour tenter d'éviter une crise, le négociateur palestinien Saeb Erekat doit s'entretenir avec son homologue israélien Yitzhak Molchow pour une réunion de la dernière chance.